suis Félix Sabaleko. Je suis batteur, chanteur, bassiste aussi. Mes influences sont un peu diverses. J'écoute un peu toutes sortes de musiques, toutes sortes d'artistes. Et puis ça va de la musique afro-caribéenne à la salsa, au jazz, funk, rap, soul, reggae. J'écoute un peu tout. J'ai commencé ma carrière avec, ma grosse carrière avec Manu Dibango. Et pendant que je faisais Manu Dibango, je faisais France Gall, je faisais Ronnie Jordan, vous savez, qui a fait So What, une reprise en acid jazz. J'ai fait Peter Gabriel, j'ai fait Paul Simon, j'ai fait Sting un peu, j'ai fait Prince. Tout ça en tant que batteur ou chanteur. Donc j'ai fait beaucoup d'artistes comme ça, les Français aussi. J'ai fait un peu Serge Gainsbourg, j'ai fait Michel Jonas aussi. Donc j'ai fait une multitude de projets en tant que chanteur. Et aujourd'hui j'ai un disque qui reprend des chansons un peu du monde entier, des covers, des trucs comme ça où je chante. Et il y a tout un orchestre derrière moi. Et puis je suis vraiment chanteur devant avec les micros. Et il y a d'autres projets où je suis batteur. C'est un peu plus dans la fusion que j'aime beaucoup aussi. C'est pas vraiment, c'est très divers. Mes projets sont divers. Conseil que je donnerais aux jeunes musiciens, aux jeunes artistes, un jeune qui aimerait être batteur par exemple, puisque c'est mon métier, c'est tout le monde va lui dire le travail, mais c'est pas vraiment le conseil que je donnerais, c'est l'écoute. Bien sûr il faut travailler, on peut travailler, au lieu de travailler une semaine, on peut travailler deux jours, mais bien. Il y a des gens qui se tuent au travail mais mal, donc ça sert à rien de travailler énormément, si c'est pour faire des trucs à répétition, ça devient de la technique pour rien. Alors que moi, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai su faire, c'est apprendre à écouter. Et pas de ségrégation entre les musiques, c'est surtout ce qui est ma valeur ajoutée, c'est-à-dire j'écoute toutes sortes de musiques sans faire de parti pris ni de ségrégation. Comme ça, j'ai vraiment beaucoup de trucs à piquer dans chaque culture, que je mets dans mon rythme à moi. C'est pour ça que quand je joue, on ne sait pas très bien de quel bord je suis, parce qu'on entend de zouk, créole, funk, jazz, c'est tout, la musique africaine, tout est dedans. Et j'écoute beaucoup. Et même dans la vie, j'écoute beaucoup aussi. Même en dehors de mon instrument, je suis toujours en train d'écouter les gens qui parlent, qui me disent quelque chose, j'écoute. Et quand j'ai assimilé, alors je lui ressors tout ça, mais à ma manière, à moi.